Bonjour à tous, on va bientôt commencer en attendant que tout le monde ne soit participant. Nous avons beaucoup à dire, donc je crois qu'on doit débuter. Je suis Mike Frost, en charge de la partie tracker ici à l'Université d'Oslo. Vous êtes les bienvenus ici à la conférence annuelle cette année. C'est un privilège pour nous que vous soyez là parce que c'est une opportunité pour nous d'entendre vos voix et voir comment est-ce que vous vous portez. Et nous sommes ravis de vous voir. Et ici, nous allons voir ce qui va se passer à l'avenir pour DHIS2. Et dans cette session, nous allons parler de comment est-ce que nous allons discuter et les efforts en matière de transparence, et aussi voir quels sont les comment est-ce que les processus de perspective sont mis sur pied, et aussi en matière de perspective, nous avons les différentes personnes qui sont en charge des différents aspects de DHIS2. Ils vont nous montrer leur plan pour leur plan à moyen terme. Donc, on ne sera pas spécifique concernant les versions à venir. Nous allons vous donner juste une vue d'ensemble de ce qui va figurer dans la prochaine version lors des prochaines années. Donc, nous avons une communauté très large et nous avons commencé des efforts pour être plus pour communiquer plus et transparent. Et nous savons que la plupart d'entre vous, vous êtes dans la communauté de pratique et vous savez mieux comment utiliser DHIS2. Et aussi, nous savons que nous avons ajouté beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube de DHIS2. Et nous avons aussi enregistré la plupart des sessions ici. Et j'aimerais vous faire savoir que nous avons lancé le site DHIS2.org en janvier. C'est en janvier. Et c'est pour permettre à tout le monde de mieux naviguer et avoir la possibilité d'ajouter beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas dans la communauté de pratique. La plupart du temps, on a beaucoup parlé de ce qui sera présenté ici durant la semaine, mais nous pensons que c'est très important de faire un rappel et vous aurez le processus de sécurité, par exemple, et aussi voir comment est-ce qu'on essaie d'éviter les vulnérabilités de notre plateforme et aussi les notifications. Vous avez vu aussi que nous avons parlé de la plupart de ces points ici énumérés. Donc, nous faisons tout pour être aussi transparent que possible pour le futur. Aussi, nous avons une nouvelle page pour l'intégration et l'interopérabilité. Nous en occupons depuis des années et les gens nous demandaient toujours avec quel logiciel est-ce qu'on peut s'intégrer, est-ce qu'on peut être interopérable. Donc, nous allons en parler ici et décrire aussi la plupart du temps ce que nous faisons avec la plateforme pour que ce soit interopérable. Durant cette session, nous allons plus nous focaliser sur les perspectives. Nous avons plusieurs idées pour l'avenir et nous allons vous expliquer le processus pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les priorités sont désignées de cette manière. Et aussi, nous avons décidé de montrer la priorité des versions qui viendront. Si vous allez en bas, vous suivez le lien en bas, vous voyez ce qui viendra dans la version 2.37. Donc, en faisant tout cela, on vous fait part de ce sur quoi on travaille et ce qui viendra à l'avenir. Nous vous donnons une idée de ce qui est dans notre plateforme et vous aurez, et si jamais, pardon, vous avez des préoccupations, vous pouvez nous faire part et nous voyons comment est-ce que nous allons vous aider à mieux utiliser la plateforme. Alors, pour parler du processus de priorisation des perspectives, nous avons une très grande communauté, comme on disait, et il n'est pas possible pour nous de parler avec tout un chacun en matière de ce dont ils ont besoin. Donc, il y a des processus pour essayer de savoir quelle information est-ce qu'on peut prendre en considération de la part de notre communauté, et ça nous permet d'avoir des améliorations authentiques et pouvant aider. Tel est notre objectif sur la plateforme global et on essaie de l'adapter aussi pour plusieurs cas d'utilisation.
La manière dont nous avons priorisé tout cela, il y a un groupe de parties prenantes, comme par exemple les ministères de santé dans les différents pays, aussi les membres de notre réseau ISP et aussi la plupart des gens qui se chargent de l'implémentation dans les différents pays, qui connaissent les exigences du terrain. Et aussi à l'Université d'Oslo qui travaille avec nos différents partenaires et nos donateurs pour soutenir les HIS2 et aussi on prend en compte les différentes recommandations et aussi à l'équipe de gestion de l'Université d'Oslo, que ce soit les enseignants, mais aussi des différents acteurs qui contribuent en quelque sorte à la mise en place de cette plateforme. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons avec tous ces groupes et nous passons des jours à discuter des priorités, en parlant aussi avec la communauté parce que c'est eux qui ont les informations sur le terrain, pour nous en parler dans la communauté de pratique. Ensuite, nous essayons de ranger et de négocier dans l'ordre de priorité ce dont on a besoin le plus vite, que ce soit à moyen ou à long terme. La plupart des exigences, c'est qu'on a quand même aidé à finir les versions qui viendront plus tard. Et ce que nous faisons après ces réunions avec ces groupes-là, nous essayons d'organiser les requêtes pour les diviser en tâches pour voir combien de temps est-ce que cela nous prendra avant de pouvoir développer cela. Et ensuite, nous arrivons à encore avec les groupes pour présenter la liste des priorités qu'ils ont requises. Et ensuite, nous mettons cela en œuvre. Tout le long des années, nous avons aussi des nouvelles priorités qui viennent pour savoir s'il faut enlever certaines choses dans les perspectives pour avoir de nouvelles priorités. Donc, nous avons aussi des requêtes en matière de COVID pour soutenir cette pandémie. Donc, nous avons ajouté des fonctionnalités comme le tracking des cas contacts, pardonnez-moi. Donc, voilà le plan de l'année. Nous avons un plan pour la priorisation et c'est à ce niveau que nous discutons avec les différents groupes pour organiser les liens, pour voir notre feuille de route existante, pour pouvoir essayer de voir ce qui est prioritaire par rapport à l'autre. C'est sûr que DHIS2 a deux versions qui sont sorties, qui sortent chaque année, et nous planifions déjà avoir une nouvelle version qui sera disponible. Et nous nous assurons que le temps ne nous fasse point défaut parce que tout ceci est nécessaire. Parce que nous apprenons à chaque fois tout le long des processus d'élaboration des versions. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous apporter nos différentes préoccupations, vos avis, pour que l'on puisse prendre cela en compte pour la prochaine version. Je vais vous donner une petite idée des différents outils utilisés pour pouvoir arranger par ordre de priorité les activités. Nous avons plus de 400 tâches. Vous voyez, c'est pourquoi on considère que cette feuille de route peut couvrir 7 ans. Et comme vous pouvez voir, ceci, c'est ce qu'il y a en haut, la performance du tracker pour l'implémentation à large échelle. C'est la plus grande priorité l'année passée lorsqu'on a fait le processus. On a vu que cela a été réel, donc nous avons tout fait pour améliorer la performance des trackers pour l'implémentation à large échelle. Vous avez vu cela lors de la présentation de Marcus le lundi, et nous avons les trackers qui aident à soutenir les efforts de COVID, en matière de COVID et de vaccination, et nous faisons tout pour pouvoir améliorer cela encore et encore. Donc, maintenant, nous allons parler plus spécifiquement du tracker qui est notre priorité maintenant. Nous allons tout faire pour améliorer les performances du tracker pour pouvoir tester cela dans des environnements comme même ici à l'Université d'Oslo pour pouvoir connaître les effets réels des améliorations dans les environnements où vous êtes. Nous essayons aussi d'améliorer les importateurs pour pouvoir améliorer aussi l'identification des données et leur utilisation.
Une des choses que nous prenons encore très au sérieux, c'est que le tracker est en train de fonctionner sur le plan mondial. Le fait d'enlever les duplications, les doublons dans les données, c'est aussi une priorité parce qu'on veut éviter les doublons dans les enregistrements des personnes qu'on enregistre dans le logiciel. Donc, nous allons travailler encore pour créer de nouveaux outils pour pouvoir gérer et mélanger les duplicats et les doublons, pardon, et pour voir comment utiliser les données à l'entrée et pouvoir avoir des données sûres. Vous voyez que cela sera toujours mis en œuvre lors des prochaines versions. Et une autre vue, c'est d'améliorer l'application de capture. Vous savez que cela a été mis en place il y a cela des années et la plupart des fonctionnalités s'y trouvent, mais nous faisons tout aussi pour pouvoir améliorer les fonctionnalités de tracker dans le Capture App, l'application de capture. Et vous voyez que c'est maintenant beaucoup plus intuitif et que ça aide dans la collecte des données et dans nos différentes activités. Donc, ça améliore l'expérience de l'utilisateur. Ça permet à l'utilisateur d'améliorer l'accès aux informations. Donc, voilà ce qu'il y a à dire. Mais un autre point aussi, c'est de pouvoir améliorer les tableaux de bord, TEI, entre autres. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'améliorations en ce qui concerne l'application de capture dans la version 2.36. Et vous voyez que ça aide beaucoup en matière de tracker et ça vous permet de facilement chercher et trouver les personnes que vous avez enregistrées. Mais ce que vous verrez aussi dans les prochaines versions, c'est qu'on fera tout pour pouvoir améliorer encore l'application de capture dans toutes les versions qui viendront plus tard. Nous continuerons dans ce sens. L'analyse des trackers, on nous a aussi beaucoup en parlé, on nous en a beaucoup parlé lors de la présentation des analyses et nous voulons tout faire pour pouvoir analyser les données qu'on reçoit sur les individus. On a aussi des programmes croisés d'analyse, l'analyse des TEI et aussi l'analyse des autres types de données. Pour les perspectives en matière de tracker, Austin va plus en parler parce que nous faisons tout pour que le tracker soit plus extensible. Ça signifie que la nouvelle application de capture est facile à utiliser. Ça vous permet de pouvoir enlever des choses et ajouter des choses et avoir une expérience utilisateur plus simple pour savoir ce que vous voulez utiliser dans les composantes, savoir ce qu'il faut intégrer à l'intérieur de l'application de capture. Donc, vous pouvez avoir quelque chose de très spécifique, très personnalisé pour vous en matière des fonctionnalités des HSD en général. Et nous sommes en train de travailler sur le point de sortie du tracker API. Et en dehors de cette application, nous travaillons aussi avec l'équipe de métadonnées de l'OMS. Vous savez que les métadonnées, c'est très difficile à configurer. Et ce que nous faisons ici, c'est vous aider en publiant beaucoup de packages en matière de VIH, de paludisme et la santé des nouveau-nés. Donc, nous voyons que cela devient très important pour les différents pays parce qu'ils ont besoin de trackers pour pouvoir avoir accès à ces métadonnées. À ces paquets de métadonnées. Nous avons tout fait pour améliorer les performances en étant impliqués dans l'implémentation à grande échelle et voir quelles sont les difficultés sur le terrain. Et aussi, nous avons ramené ces informations à nos équipes, une grande équipe d'implémenteurs à travers le monde qui font partie du processus de design avec qui on discute quasiment de manière hebdomadaire pour pouvoir avoir l'expérience utilisateur et savoir comment est-ce qu'il faut améliorer cela. Je vais vous montrer quelques captures d'écran de ce à quoi ça va ressembler dans l'application de capture en suivant ces processus. Dans le passé, le tracker était très centré sur un programme. Ça voulait juste gérer les programmes de VIH ou de paludisme. Mais à l'avenir, nous voulons tout faire pour qu'il y ait plusieurs pays qui puissent avoir accès pour leurs différents programmes qu'ils mettent en place parce qu'ils ont plusieurs populations qui s'occupent de ces différents programmes, que ce soit en matière de vaccination des enfants,
Et c'est pour cela que nous voulons développer ce tracker. Nous voulons que l'utilisateur clinique puisse voir les programmes dans lesquels ces personnes sont enrôlées, voir les faits, les relations qu'il y a entre ces personnes très facilement. Comparativement, dans l'ancien tableau de bord, on ne voyait pas très bien ce que l'événement dernier a représenté dans le programme. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. On voit l'information dont on a besoin de ce qu'il est du dernier événement et voir comment est-ce que gérer la situation et proposer de nouvelles options pour pouvoir s'acquitter de nouvelles tâches. Vous voyez, la nouvelle application de capture a plus d'entités de tracker et c'est une expérience unique de quitter d'un programme à un autre, de voir les identités et de voir de quelle manière est-ce qu'on peut l'utiliser de manière plus efficace sur le terrain. Comme vous pouvez le voir ici, c'est maintenant beaucoup plus facile pour identifier les doublons et pouvoir les supprimer. En voyant ici, par exemple, on nous signale que c'est un possible doublon et on est libre de pouvoir changer des informations. Donc, c'est un peu ce dont il est question quand on parle de la feuille de route. C'est très intéressant parce que l'application de capture pour le moment peut être utilisé par plusieurs programmes et nous faisons tout pour développer de meilleures fonctionnalités de tracker pour et vous verrez aussi plusieurs de ces captures d'écran qui sont là dans la version 2.37. Donc avec cela, je vais laisser la parole à Scott qui va parler de l'analyse. Merci beaucoup de m'avoir un peu dévancé lors de ton propos. Maintenant, on va parler de la version 2.37. C'est que nous avons un très long processus de priorisation en parlant avec les différents acteurs. Donc, ici, on va vous présenter ce qui est très pertinent et vous verrez que ce que nous avons pour la version 2.38 et 2.39 est très pertinent et nous travaillons beaucoup pour pouvoir améliorer tout beaucoup plus en matière d'analyse de tracker. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer une capture d'écran comme ce que vous voyez là. La première chose qu'on voit, c'est ce qui est sûr, c'est la version 2.37. On voit une présentation de tableau de bord. Vous savez que la configuration du tableau de bord est un peu compliquée. Il y a beaucoup de flexibilité. Vous pouvez bouger les choses, changer beaucoup de choses. C'est très facile d'avoir un tableau de bord qui n'est pas très interactif. Donc, c'est très difficile pour les gens de mettre ça en place, que ce soit au niveau des districts, que ce soit au niveau des établissements sanitaires. Donc, on veut mettre en place une fonctionnalité très facile dans le tableau de bord. C'est ce que nous allons montrer dans la prochaine capture d'écran. La version 2.37, on voit un peu la feuille de route qu'on a mise ici à l'écran pour cette version. On essaie d'être le plus transparent possible et c'est dans cet objectif que nous avons fait beaucoup d'estimations pour nous assurer que la plupart de ces choses puissent être faciles d'accès. Vous ne savez jamais ce qui peut être prise en compte dans la note DHIS2. Donc, si vous mettez le mauvais programme, ça peut détruire plus ou moins notre application. C'est pour cela qu'on essaie d'expliquer la plupart du temps les différents programmes qui sont supportés par les DHIS2. Vous savez, mais les choses se produisent sans qu'on ait le contrôle. Ici, le premier, c'est le type d'indicateur pour la valeur unique. C'est ce qu'on voit au milieu de l'écran. Et vous voyez, c'est très populaire. La plupart des tableaux de bord cette semaine utilisent justement cette version de valeur unique, parce que c'est très important. Ce que nous faisons en 2.37, c'est être capable d'apporter le type de valeur et mettre cela sur un graphique de valeur unique. Donc, comme vous voyez, la valeur unique, ça montre clairement le graphique et l'indicateur pour que ce qui
affichée comporte toutes les informations. J'ai parlé aussi de l'affichage du tableau de bord, donc on ne va plus parler. Donc maintenant, on va parler de l'affichage des unités d'organisation dans le graphique. Vous voyez, des fois, certaines choses sont un peu bizarres. Vous voulez un peu voir le niveau de données. Ici, on voit que vous pouvez cliquer sur le bouton, essayer de descendre comme dans les tableaux croisés dynamiques et vous essayez de mettre en place les dynamiques et les différentes coordonnées que vous voulez y intégrer. Maintenant, pour ce qui est des colonnes et des rangées, comme c'est la même chose avec Excel, on voit plusieurs personnes qui impliquent les tableaux croisés dynamiques. Et c'est ce que nous faisons aussi à l'IHES2. Quand vous, pour pouvoir avoir accès, vous pouvez mettre les références pour pouvoir arrêter ces tableaux croisés dynamiques et pouvoir mieux les expliquer. L'autre point, c'est les axes et les graphiques qui parlent d'axes uniques et d'axes multiples. Les graphiques qui parle de qui comporte plusieurs axes ont aussi certaines améliorations que nous avons ajoutées dans 2.30, la version 2.37. Une autre requête, surtout d'un de nos collègues en Asie du Sud, c'est ce qui concerne les données et l'enregistrement des données. Nous avons vu que c'est très populaire, plusieurs voient cela dans leur tableau de bord et ils réussissent, pardon, à analyser les données qui sont enregistrées. Durant la COVID-19, plusieurs utilisent les trackers qu'il y a dans cette application pour pouvoir traquer les millions de personnes et ça permet aussi de pouvoir mettre à disposition de la population des centaines de milliers de vaccins et nous voulons qu'ils puissent mettre ces informations dans le tableau de bord. C'est une tâche très difficile, c'est une chose que nous voulons faciliter. Nous essayons de mettre cela dans notre version suivante, même si ce n'est pas encore disponible dans la version 2.37. Le dernier point, c'est la période relative sur les dernières 10 ans, les dernières 10 années. Plusieurs pays ont des données qui vont beaucoup plus loin que les 10 dernières années. Donc, on veut mettre cela possible, rendre cela possible pour qu'on puisse avoir accès à des données qui concernent peut-être le paludisme, mais cela plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 15 ans en matière d'autres pandémies. Donc, c'est ce que nous voulons faciliter. Maintenant, nous allons parler du profil d'unité d'organisation. Ça viendra un peu plus tard. Ça fait partie d'un effort beaucoup plus grand pour permettre à DHSE d'être beaucoup plus simple et d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus faciles à utiliser. Donc, pour le moment, on ne va pas parler de cela. Le prochain point, c'est les tableaux de bord hors réseau. Alors, le lundi, j'ai présenté le nouveau tableau de bord sur un téléphone. Et nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir permettre au tableau de bord pour pouvoir travailler tant en ligne que hors ligne, pardon. Ce qui est sûr, on veut permettre à tout le monde de pouvoir prendre le tableau de bord et aller dans notre établissement sanitaire et aussi être capable de changer, de partager les données avec nos collègues. Une chose qu'on fait, c'est le Une chose qu'on fait, qu'on essaie d'améliorer, c'est la personnalisation des données. Donc, on essaie d'enregistrer cela pour que lorsque vous mettez les données là hors ligne, lorsque vous serez connecté, cela serait partagé directement avec qui que vous voyez, que vous voyez lorsque vous arrivez en ligne. Le prochain, c'est la personnalisation des dates. Et vous pouvez essayer de personnaliser vos événements journaliers et
Cela a été téléchargé par plusieurs, mais ce n'était pas très facile pour certains. Donc, on a essayé de l'améliorer maintenant dans la version 2.37. Le prochain, c'est les légendes pour les tableaux quasi-dynamiques et pour les graphiques. Comme vous m'avez vu présenter le lundi, c'est que maintenant, nous avons des légendes qui sont à gauche de l'écran, qui s'appliquent aux tableaux quasi-dynamiques, aux différents types de graphiques aussi, et même aux cartes. Une légende est très puissante. Vous voyez les différentes couleurs, par exemple, mais c'est très important d'avoir les légendes pour savoir exactement là où vous vous trouvez en matière de différentes valeurs que vous voyez. Donc, on voit deux exemples ici en haut, la première capture d'écran et celui qui est en bas à droite. Vous voyez comment est-ce que les légendes aident beaucoup. Le dernier point que j'aimerais mentionner ici, c'est l'addition de catégories d'options qui est une longue requête de nos utilisateurs depuis des années. Et encore, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez le chiffre qui est en bas, ça veut dire que c'est là depuis. Et nous avons tout fait et je suis très ravi de dire aujourd'hui que nous sommes capables de mettre cela à votre disposition dans la version 2.37. C'est aussi parmi les captures d'écran ici en bas à gauche. Et je peux vous rassurer que c'est très intéressant à utiliser dans la version 2.37. Ceci est très important aussi parce que c'était 237, mais maintenant ils ne prennent pas de la version 2.38, 2.39. Maintenant, pour ces différentes versions, on a essayé de mettre sur pied une application de reporting d'événements. C'est très pratique pour que vous puissiez vous détenir le programme pleinement pour pouvoir faire des analyses comme vous voulez. Nous pouvions faire cela. C'était impossible dans notre application actuelle. Nous ne pouvions pas ajouter des fonctionnalités. Donc, l'expérience utilisateur n'est pas très facile, elle n'est pas très simple. Donc, ce que nous faisons ici, c'est de pouvoir rendre cela beaucoup plus facile dans les versions qui viendront. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps. Je crois ça fait au moins 9 mois. Il y a des différentes étapes ici. Je vais vous en parler. C'est très intuitif. Même si ça concerne le futur, je vais vous donner une image globale de ce dont il est question. Premièrement, c'est que nous sommes en train de collecter vos cas d'utilisation depuis 9 mois. Et nous avons des dizaines concernant comment vous avez utilisé les trackers et les analyser. Aussi, les innovations dans la communauté des applications que certains ont développées sur le terrain qui ont essayé d'améliorer notre application, et nous avons appris de cela. Nous avons essayé de répartir ces cas en fonctionnalités et donc nous sommes en train de travailler là-dessus depuis janvier 2021 jusqu'à présent. Donc, des dizaines de cas pratiques sur le terrain qui contiennent plus d'une centaine de fonctionnalités. Donc, c'est un très large effort qu'on fournit en essayant de répartir cela et de les catégoriser et développer notre application à partir de là. Nous essayons de compiler aussi et organiser les fonctionnalités dans notre back-end. Le tracker back-end doit être mis sur pied et amélioré comparativement à ce que nous avons pour le moment, avant de pouvoir faire un nouveau reporting d'événements. Nous devons donc aligner l'histoire des utilisateurs à notre back-end pour pouvoir mieux gérer l'entrepôt de données que nous avons pour pouvoir produire tout ce dont vous avez envie. Donc, nous essayons de comprendre ce que vous voulez expliquer à travers vos histoires et à travers vos feedbacks dans les nouvelles applications pour que cela puisse répondre à votre exigence, pour que vous puissiez mieux gérer vos données. Pour la prochaine étape, vous voyez que, bon, il est vrai que certains de mes collègues ne seront pas contents que je vous parle de cela, mais bon, nous avons essayé de mettre sur pied des fonctionnalités pour vous faciliter la tâche. C'est un peu nouveau. Donc, ce que vous voyez pour le moment, vous pouvez comprendre que c'est des principes génériques. Donc, c'est un mock-up de notre prochaine application.
et nous allons intégrer cela dans les nouvelles fonctionnalités. Donc, nous allons avoir nous avons amélioré, pardon, ces maquettes-là que nous appelons des mock-ups pour le front-end, pour pouvoir insérer des informations dans votre DHIS2. Vous savez, si vous n'en parlez pas, on ne saura pas comment améliorer cela. Donc, on a besoin d'avoir beaucoup de retours pour pouvoir mieux développer cette application qui concerne les maquettes. Ensuite, point 5, nous sommes en train de bâtir notre nouveau back-end. Donc, il faudrait améliorer d'abord le back-end pour pouvoir utiliser le front-end. Donc, il y a deux composantes de back-end que nous avons beaucoup améliorées, comme l'événement et l'enrôlement dans la version 2.37. Mais ensuite, nous avons développé de nouveaux back-end pour l'entité de tracking et aussi celui qui concerne les relations entre les cas. L'équipe est en train de travailler sur l'événement et l'enrôlement pour le moment. Après, nous allons aller sur le tracking et puis les relations. Le point 6, j'essaie quand même de l'expliquer, même s'il n'y a pas beaucoup de temps. Nous avons essayé de bâtir le MMVP, c'est-à-dire le produit minimum de valeur pour le front-end. Donc, nous allons insérer cela dans l'ensemble des événements et des enrôlements. Donc, ça va aider dans l'application de reporting que nous avons pour le moment. Vous savez, il y a de nouvelles fonctionnalités, mais la plupart sont toujours ce que vous connaissez déjà dans l'application de reporting. Donc, on essaie d'améliorer cela. Le MVP nous permet de pouvoir faire cela. Le point 7, c'est que nous essayons d'améliorer aussi le front-end, pardon. On essaie de développer des types d'analyses pour pouvoir faciliter la tâche. Par exemple, si vous voyez le cas de Sri Lanka, ils ont fait un très bon travail avec leur graphique. Et donc, c'est cela qui a été utilisé pour les individus et les patients et analyser ces différents cas. Donc, nous avons tout fait pour pouvoir tirer une leçon de cette expérience. Donc, comme vous pouvez voir maintenant avec nos différents graphiques, on a fait des améliorations grâce à cela, mais à l'avenir, on va aussi faire pour améliorer nos tableaux croisés dynamiques dans cette application. Je crois qu'il y a certaines diapos qui manquent. Je reviendrai plus tard. Je crois que c'est bon pour moi. Donc, le prochain orateur va vous parler de l'Android. Donc, bientôt, je vous fais la présentation. Pardonnez, j'ai quelques problèmes techniques. Alors, ce endroit est très important. Nous essayons d'avoir une réponse. Comment est-ce que nous pouvons mettre en place les traductions dans des HIS2 pour avoir l'information. À votre niveau, comment est-ce que vous avez besoin que nous pouvons mettre en place le système de traduction à tous les niveaux? Nous avons besoin de certaines réponses. Comment est-ce que nous pouvons améliorer nos systèmes de traduction? Alors, Jennifer a fait une petite évaluation et où vous pouvez également soumettre vos questionnaires. Nous avons besoin d'avoir des réponses à votre niveau pour améliorer système de traduction des données de DHIS2. J'aimerais que vous puissiez aller faire cette évaluation pour nous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, à toi la parole, Martin. Ah, pas de souci, tu as été à l'heure. Merci beaucoup, Scott. Il y a beaucoup de nouveautés qui viennent en ce qui concerne le système de tracker.
Voilà, maintenant, nous focaliser sur la version Android qui vient et voir comment est-ce que nous pouvons, de façon générale, améliorer les systèmes qui viennent. Alors, tout dépend du processus qui sera déployé. Alors, ce que nous avons appris du processus de l'année passée, de 2020, c'est que il y a certains domaines qui ont été un peu affaiblis. Nous devons nous focaliser maintenant plus sur l'analyse locale, utiliser plus de données. Alors, nous savons maintenant que DHIS2 est un outil de collecte de données. Nous avons maintenant besoin de renforcer les capacités pour l'analyse et la collecte des données. Après quelques années, nous allons voir l'analyse d'autres traits, d'autres nouveautés qui viennent. La version 2.5. Alors, nous parlons également des publications qui ont été faites. Il y a également un niveau d'incertitude que nous avons toujours à chaque niveau pour voir si certaines choses vont se dérouler telles que nous l'avons prévu ou pas. Mais toutefois, nous avons une bonne planification et nous pensons que nous pouvons réussir facilement à atteindre nos objectifs. Il y a un niveau ici que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire nous parlons de la performance, de la stabilité et de la sécurité. Ici, c'est une constante, c'est-à-dire des choses qui doivent être prises en compte. Je ne vais pas aller en profondeur là-dessus, mais ce sont les trois critères, la performance, la stabilité et la sécurité. Spécialement dans Android, il est très important d'évaluer la performance, également voir la maintenance de la sécurité. Voir comment est-ce que nous pouvons améliorer la sécurité. Alors, c'est vrai que tout n'est jamais précis à 100%, mais voici l'objectif que nous avons, c'est-à-dire mettre en place les nouvelles caractéristiques. Maintenant, concernant la nouvelle version 2021-2022 que nous voulons mettre à niveau, ce qui va se passer l'année prochaine, je ne vais pas trop rentrer dans certains détails, mais nous voulons vraiment atteindre la version 3.0 l'année prochaine. Mais tout dépend du système de priorité que nous avons mis en place et comment est-ce que nous pouvons améliorer cela. Ce que nous pouvons également introduire, c'est que nous voulons également soutenir la version Android, c'est-à-dire pour des raisons techniques. Nous allons mettre la priorité sur cela plus en 2022, pas en octobre. Et nous devons soutenir cela. Nous ne voulons pas que tous les équipements ne soient pas fonctionnels. Nous allons faire des annonces. Alors, s'il y a un grand pourcentage d'équipements qui sont fonctionnels, nous devons voir comment est-ce que nous laissons la dernière version de 2021 toujours sous maintenance et voir comment nous pouvons améliorer les nouvelles versions que nous devons faire. Alors, si nous faisons des planifications maintenant, c'est parce que nous voulons commencer par réfléchir, voir ce que nous pouvons mettre en œuvre pour le moment, spécialement pour 2022. Nous sommes vraiment très contents de parler de la nouvelle version de l'application Android. Alors, on va analyser les données des utilisateurs. Nous le faisons, pardon, avec une analyse locale, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez l'utiliser en dehors de la connexion, vous pouvez l'utiliser hors ligne. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez l'avoir sur l'écran à tous les niveaux. Nous avons de nouveaux navigateurs que vous voyez au niveau de l'écran. Vous pouvez aller au niveau de l'icône analyse.
vous voyez les différentes options d'analyse. Dans la première capture d'écran, vous pouvez voir ici qu'il y a des groupes d'analyse. Spécialement, ceci est important pour la présentation. Alors, ceci peut être groupé en plusieurs groupes, plusieurs équipes. Les analyses, les configurations, tout peut changer. Et ceci est très important pour la mise à jour. La mise à jour des différents programmes. Et nous pouvons toujours faire cette analyse de façon interactive pour voir est-ce que nous avons la considération, est-ce que nous avons la possibilité de faire l'analyse des vaccins dans différents niveaux. Nous sommes en train d'éviter d'utiliser le mot tableau de bord. Comme vous le savez, dans DHIS2, c'est un outil très important. Il a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de nouveautés. Ici, nous sommes juste en train de regrouper les choses que vous pouvez utiliser hors connexion, mais pour le moment, nous parlons juste des différents groupes. Alors, voici l'écran de façon analytique qui peut changer au fur des périodes. Tout dépend. Tout dépend de comment on peut faire utilisation de cela. Comment est-ce que les choses vont marcher? Comment est-ce que nous pouvons mettre en place cela à partir du système mobile? Alors, vous pouvez configurer cela par l'administrateur même, l'utilisateur. Parce que par moment, nous ne savons pas toujours quoi afficher là-bas si vous ne nous dites pas quoi afficher là-bas. Alors, toutes ces données seront vraiment montrées aux utilisateurs. Alors, nous devons être capables d'utiliser l'application et savoir quelle configuration mettre et à qui envoyer cela afin que les utilisateurs puissent les voir après leur configuration. Avec cela, nous pouvons également sélectionner l'analyse compatible mobile, c'est-à-dire nous pouvons également apprendre à utiliser plusieurs données. Nous avons des sélections et des nouveautés que nous pouvons utiliser de façon simple. Alors, nous avons des tableaux croisés dynamiques et plusieurs choses que nous pouvons utiliser. L'utilisateur peut avoir accès, peut être bien formé. Il y a des séries, des catégories qui varient au fur et à mesure. Tout dépend de la dynamique que vous avez choisie. Il y a également plusieurs limitations, mais tout dépend également des différentes nouveautés mises en place. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été mises en place pour configurer tout, pour mettre en place. Et les systèmes et soutenir cette visualisation. Nous allons documenter tout ce qui doit être fait, mais n'espérez pas que tout ce que vous allez faire de l'un côté va revenir sur l'autre côté en même temps, de façon directe, mais tout ceci doit être configuré au fur et à mesure. Alors, ce graphique par secteur sera configuré par moment. Et nous allons rentrer dans plus de détails quand nous avançons. D'autres fonctionnalités. Nous sommes également intéressé par l'écran, c'est-à-dire l'écran qui nous montre la liste des choses à faire. Lorsque vous allez dans l'option, vous allez voir l'analyse, c'est-à-dire les tâches. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Alors, cet écran est là pour nous aider à répondre aux questions. Quel est l'emploi du temps d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? L'utilisateur est capable d'analyser cela et savoir quelle est la tâche qui doit être faite, la liste de tâches simplement. Et voir les emplois du temps d'aujourd'hui, de demain, la semaine prochaine, c'est-à-dire avoir toujours une idée des événements qui ont été mis en place, également les dates d'expiration liées à chaque période, liées à chaque événement qui doit être mis en place. Et ceci, c'est pour améliorer le système de collecte des données. Ce sera vraiment formidable. Alors, ces deux choses-là vont amener la version Android a de nouvelles fonctionnalités. Nous continuons avec d'autres fonctionnalités qui paraissent petites, mais qui améliorent les choses.
En matière d'expérience, nous allons essayer de mettre en place plusieurs options pour la configuration du tracker. Alors, ce sera beaucoup d'innovations qui seront configurées. Nous allons également essayer de simplifier l'utilisation, c'est-à-dire essayer de faire de notre mieux. Voir ce qui concerne l'expérience de l'utilisateur en matière de données d'entrée. Et par moment, nous voyons également le calendrier, les préférences sur le calendrier. Nous allons également montrer les raisons pour les données qui ne sont pas éditables, c'est-à-dire les données peuvent avoir quelques défis parce qu'elles ont été expirées, elles n'ont pas été entrées totalement, elles sont perdues. Nous voulons également être capables d'afficher les codes de barre à plusieurs niveaux, c'est-à-dire ici, on peut les enregistrer pour le moment, mais pour le moment, on ne peut pas les afficher. Donc, nous allons travailler cela pour que nous puissions les afficher. Alors, les fonctionnalités du tracker, nous avons plusieurs fonctionnalités qui sont opérationnelles. Alors, l'une d'entre elles, c'est ce que nous sommes en train de voir. Jusqu'alors, nous n'avons pas encore mis cela dans la version Android 2.5. Alors, c'est également pour briser la glace. Alors, je pense que nous allons voir les filtres, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons mettre en place un système de suivi jusqu'alors qui n'a pas été vraiment fonctionnel. Et j'aimerais également parler des systèmes qui peuvent être utilisés avec et sans connexion Internet. Nous sommes en train de faire des recherches de façon locale et globale. Nous compilons les ressources et nous les montrons, nous les affichons de façon unique parce que l'instance d'entité de suivi peut être aussi analysée. Également, nous voyons ceci dans les données parce que ça peut être des choses qui appartiennent à certains groupes. Nous avons une approche que nous avons mise en place au commencement qui n'est pas toujours la meilleure, mais que nous pensons à changer. Et ceci nous permet de faire certaines recherches de façon locale. Et l'utilisateur obtient les ressources qui proviennent des fonctionnalités. Et alors, si ce n'est pas dans le document local, nous allons maintenant à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, nous mettons les ressources en interaction, mais nous allons faire les recherches en deux catégories pour réduire le temps, également pour réduire le nombre d'utilisateurs par moment. Au niveau des cartes, nous avons également l'expérience des utilisateurs et nous avons vu comment est-ce que nous pouvons améliorer ce système et simplifier cela lors de la version suivante. J'ai su avoir un bouton où l'utilisateur envoie sa géolocalisation, c'est-à-dire sa carte. Quelles sont les fonctionnalités à implémenter? Maintenant, deux changements également qui ont eu lieu. Nous devons également, comment est-ce que nous pouvons gérer la fonctionnalité des langues? Jusqu'à maintenant, la version Android, alors, prend la langue de l'application DHS2. Maintenant, nous voulons améliorer cela pour que cela prenne la langue depuis votre outil, votre équipement que vous utilisez. Alors, vous pouvez déjà utiliser la langue depuis le serveur, selon votre différentes configurations dans les zones et les localités où vous êtes. Nous sommes en train de développer des options pour pouvoir régler les écrans afin de ne pas être submergé par des erreurs. Par exemple, ce que nous sommes en train de voir, c'est d'analyser un système d'amélioration de la qualité de nos fonctionnalités. Alors ça, c'est ce qui concerne l'ancienne version. Maintenant, dans la version à venir, nous allons parler, comme nous l'avons dit, de la stabilité, de la qualité, de la sécurité, c'est-à-dire de la performance en général. Mais nous savons que nous devons travailler sur l'implémentation
mobile que nous sommes en train de faire et nous voulons vraiment, vraiment renforcer notre capacité en vue de soutenir. Alors, la qualité d'utilisation des serveurs, nous le prévoyons pour 2022. Nous voulons également nous voulons améliorer l'utilisation des participants en améliorant l'interface par moment. Maintenant, nous sommes vraiment assidus et cela a besoin de beaucoup de changements par moment. Alors, si nous pouvons mettre la priorité sur cela, nous allons y arriver. Et comme je l'ai dit, il y a de nouvelles fonctionnalités, également beaucoup de choses qui sont toujours en suspens. Je pense que c'est tout pour la version Android. Maintenant, on va parler de la dernière nouveauté. Dans cette session, je vais parler un peu les fonctionnalités que nous avons sur la plateforme de l'application. Ensuite, nous aurons Austin qui va nous parler des aspects techniques de la plateforme. Alors, à partir de sa perspective, premièrement, j'aimerais dire que les thèmes majeurs fonctionnels que nous avons sur la plateforme, sur l'unité organisationnelle, nous avons également la facilité d'enregistrement, mais nous voulons également améliorer la manière dont nous traitons avec les différents districts dans DHIS2. La qualité des données, c'est également une chose sur laquelle nous voulons vraiment mettre l'accent au niveau des nouvelles fonctionnalités qui viennent. Nous travaillons également pour améliorer l'expérience des utilisateurs afin d'améliorer les nouvelles applications que nous avons, c'est-à-dire ce qui a été fait au fil du temps jusqu'à là. Maintenant, il est temps maintenant de mettre en place des nouvelles choses. Alors, sur cette note, la première chose que nous allons voir, c'est l'application de l'approbation des nouvelles données, c'est-à-dire, il y a cela quelques années, nous avons utilisé un nouveau modèle de données, alors dans DHIS2 appelé. Alors, l'application d'approbation des données, c'est-à-dire dans notre utilisation, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons approuver plusieurs données par période et voir comment est-ce que les sous-unités peuvent améliorer les différentes données enregistrées dans le système. Maintenant, l'application d'approbation des données est là maintenant pour pouvoir travailler en collaboration avec les différentes fonctionnalités que nous avons. C'est-à-dire, nous pouvons maintenant améliorer beaucoup de choses de par moment. Et également, nous pouvons approuver la fréquence par niveau, spécialement lorsqu'il s'agit des données stockées en quantité massive. Nous pensons également à mettre en place des codes à différents niveaux pour que le système DHIS2 puisse reconnaître les différentes données enregistrées au niveau des districts. Alors, ces données-là pourront être approuvées des fois par mois et des fois selon les périodes que nous définissons. Nous voulons également revoir le statut d'approbation des sous-unités dans la hiérarchie du système par moment. Alors, nous allons maintenant voir. Alors, c'est comme si l'application est déjà prête, mais elle n'est pas vraiment. Alors, c'est juste la conception que nous sommes en train de vous montrer. Alors, la première démarche dans ce cas, c'est par exemple, nous prenons le cas de la malaria ou bien du paludisme. Alors, vous voyez également, lorsque nous allons dans la colonne période, vous avez une colonne qui part du flux du travail. Nous avons également la colonne également qui parle du statut d'approbation par niveau des différentes fonctionnalités mises en exergue. Alors, nous avons la configuration des données.
C'est-à-dire, nous pouvons savoir ce qui est prêt à être approuvé. Finalement, on peut voir également ce qui est sur le point de faire, c'est-à-dire lorsque les données ont été mises dans le système, la configuration. Alors, voici comment la configuration, l'approbation des données se fera de façon générale. En outre, c'est également l'application d'entrée des nouvelles données. Je pense que c'est une des fonctionnalités de DHIS2, être capable de mettre en place ce système. Maintenant, il est temps de faire des mises à jour par niveau. Alors, nous planifions de mettre en place une application d'entrée des nouvelles données, c'est-à-dire des technologies qui ont été améliorées en collaboration avec nos différents partenaires. N'allons pas faire une implémentation radicale parce que nous savons les défis que nous avons eus par moment. Si vous voulez faire des changements radicaux, donc nous pouvons dire qu'il n'y aura pas de changements radicaux, mais plutôt nous essayons d'améliorer les choses étape par étape. L'une des implémentations que nous avons, c'est que nous allons travailler sur les catégories de données et la sélection des périodes différentes mentionnées dans le système. Alors, nous avons également parlé de la validation des données, également du rapport, de la réponse. Nous planifions également mettre en place un système qui peut travailler hors connexion, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin toujours d'être connecté avant d'être en ligne avec le système. Alors, voici comment cela sera. Ce sera toujours la nouvelle conception d'entrée des données, c'est-à-dire... Ce sera toujours visible et nous voyons la sélection, comment cela se produit dans les différentes colonnes. Vous voyez, ça paraît aussi simple que possible pour éviter de compliquer les choses par moment. Alors, vous voyez, ça paraît aussi simple comme les différentes applications que nous avons eues. Il n'y a rien de totalement compliqué. C'est juste que ici, nous avons plusieurs options plus visibles, plusieurs fonctionnalités qui ont été ajoutées par moment. Comme vous pouvez voir, l'évaluation du temps, les dates, ainsi de suite. Nous voulons rendre cela plus accessible et possiblement mettre cela à la disponibilité de tous les utilisateurs. Mais en termes de la validation des données, nous voulons rendre la validation plus prominente, c'est-à-dire dans le système. Maintenant, si vous devez toujours cliquer pour valider les données. Vous savez, les gens ne le font pas toujours, les gens oublient par moment. Alors, nous voulons maintenant transmettre cela au niveau de l'utilisateur. Il y aura une amélioration dans ce système, c'est-à-dire des règles de validation qui viendront par moment, afin que lorsque vous ne cliquez pas sur l'option de validation, il y aura une alerte qui vous sera envoyée pour vous rappeler cela. Ceci paraît un peu complexe au début, mais ce n'est pas vraiment le cas. Nous essayons maintenant de simplifier le système pour que cela soit au niveau de tout le monde et vous donne les éléments les plus importants nécessaires à suivre. Voilà. Nous allons également mettre en place une application de nouvelle maintenance, une nouvelle application de maintenance, c'est-à-dire nous voyons que l'architecture par moment paraît surchargé à cause de la fréquence des événements. C'est le temps maintenant de mettre en place une nouvelle application de maintenance. Comme nous le disons, nous ne planifions pas faire un balayage total de ce qui était là, mais nous allons garder certaines des fonctionnalités qui existaient déjà. Nous allons maintenant faire que le système soit plus rapide, que cela utilise moins de temps, afin que cela consomme moins de données Internet des utilisateurs. Nous voulons également mettre en place de nouvelles améliorations de l'application, c'est-à-dire nous allons faire un filtrage avancé. Nous allons également mettre en place comment est-ce que nous pouvons définir cette liste. Alors, ce n'est pas encore totalement fonctionnel, mais nous sommes en train de voir comment est-ce que par moment nous pouvons faire des partages en masse. Nous voulons également... Vous voyez également au niveau du filtrage. Nous améliorons également le système, mettre en place plusieurs options qui s'offrent à nous. Nous savons également que en utilisant l'application de maintenance, vous voulez
apporté beaucoup de changements par niveau et les gens ont à retourner plusieurs fois dans Excel. Nous voulons maintenant rendre cela plus facile, c'est-à-dire déjà dans le système, vous pouvez changer des trucs de façon directe, l'élément des données de façon directe pour ne pas toujours retourner dans Excel avant de le faire. L'idée, c'est que nous aurons une opération en masse, c'est-à-dire une opération en masse, une opération de masse. Vous pouvez voir les données de façon générale, faire plusieurs opérations en même temps, faire des mises à jour en masse, faire des partages en masse, faire des téléchargements en masse. Alors, le partage en masse n'est pas toujours recommandé fréquemment parce que nous savons que les gens aiment partager les choses en masse, de façon générale, en groupe. Mais de façon pratique, c'est mieux de faire les mises à jour niveau par niveau, étape par étape, en vue de ne pas être surpris par moment. Donc, je conseille de bien utiliser cette opération de partage en masse. Alors, le thème pratique que nous avons à ce niveau, nous allons travailler sur une configuration profil, de l'unité en général. Alors, premièrement, ce sera visible dans l'application qui travaille avec les cartographies et plusieurs, ce sera disponible au niveau de l'application de la visualisation. L'unité organisationnelle. Alors, cela recollecte plusieurs images de l'unité organisationnelle, comme les noms, les descriptions, les dates d'ouverture, les contacts, la localisation, c'est-à-dire de façon longitudinale, les latitudes également, l'attribut de certaines données par moment. Lorsque je parle des différents groupes, vous pouvez savoir de quoi je parle. Et cela va nous parler également des données rassemblées de façon générale, des informations comme les données compilées, les données des ressources humaines, ainsi de suite. Voici également une image, une configuration de l'unité organisation, le profil, comment ça va apparaître. Lorsque vous allez dans l'application de la cartographie, vous pouvez cliquer sur les différentes fonctionnalités pour voir plusieurs options qui s'offrent à vous par moment, plusieurs informations détaillées que vous avez comme les profils de chaque niveau. En relation avec ceci, nous travaillons également avec les différentes présentations de l'unité organisationnelle pour pouvoir simplifier le travail et rendre cela plus facile pour entrer les données d'enregistrement. Je pense que c'est vraiment formidable, beaucoup les choses qui viennent. Je vais parler de différentes choses qui nous viennent. La première chose qui vient, il y a également beaucoup d'indicateurs qui sont en train d'être mis en place. Nous allons utiliser les données, c'est-à-dire voici la feuille de route que nous allons mettre en place. Voici la feuille de route. Nous allons montrer les établissements qui ont beaucoup des pratiques, des services, des fonctionnalités par niveau. Et il y a beaucoup d'analyses sophistiquées qui seront mises en place pour l'organisation générale des données. Autre chose sur laquelle nous travaillons, nous devons également avoir la capacité de proposer de nouveautés, c'est-à-dire au niveau de l'enregistrement, on met en place de multiples systèmes pour pouvoir améliorer les différentes unités qui vont servir à augmenter le flux du travail dans le système principal. Au lieu juste de permettre à tout le monde de venir créer ce qu'il veut sur la plateforme. Ceci également sera collaboré par un système multiple avec différentes fonctionnalités. Nous devons également
avoir la capacité de gérer les différents systèmes selon les districts. Si nous avons plusieurs districts, nous devons être capables de séparer et mélanger les différentes fonctionnalités par moment, les unités organisationnelles. Alors, ceci sera vraiment beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que nous voulons faire et mettre en place d'ici l'année prochaine. Nous voulons également mettre en place un système d'évaluation de score pour les différentes détections de services par niveau. Également, faire des modifications considérables selon les différentes options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons changer le règlement, les paramètres des différentes données. C'est vrai que nous avons également un paramètre de sécurité, mais nous n'avons pas le temps d'y aller en détail. Nous voulons également faire l'authentification sur la base des échantillons. Nous voulons également créer et utiliser un système d'échantillons, un système basé sur les différents modules et échantillons pour pouvoir simplifier les données qui sont enregistrées par moment et permettre également au système de créer une intégration facile avec DHIS2. Et ce sera basé sur les différents échantillons que nous avons. Et bien sûr, nous travaillons beaucoup sur la performance, la disponibilité, une meilleure sécurité et également un meilleur système de test. Nous avons beaucoup de questions qui sont liées au niveau de la disponibilité. Comment est-ce que ceci sera vraiment disponible à tout le monde? Comment est-ce que nous pouvons déployer cela facilement, différentes communiqués, autres? C'est beaucoup de travail pour le moment, mais je pense que en mettant cela dans nos perspectives à venir. Avant de passer la parole à l'orateur suivant pour... Je passe la parole à l'orateur suivant pour la partie technique. Alors, comme Lars l'a dit, je vais discuter les aspects techniques de notre développement et l'amélioration des fondations que nous avons mis sur pied. Il y a beaucoup de choses techniques dont nous allons parler aujourd'hui. Cependant, cela a à voir avec la plupart des applications et des fonctionnalités dont on parle depuis. Et nous avons aussi trouvé le moyen de pouvoir soutenir nos différentes applications dans la plateforme. Et l'un des objectifs, c'est de pouvoir mélanger toutes ces applications dans une seule et même plateforme pour que l'application de base puisse pouvoir intégrer toutes les nouvelles applications pour que toutes ces applications puissent faire le travail. Donc, une de ces applications dont on a parlé dans la session qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans DHIS2, c'est les livraisons des applications en continu qui fait que la plupart des équipes travaillent toujours à développer des applications sur un délai un peu régulier qui est de 6 mois, comme nous en avons parlé plus tôt. Donc, la plupart des applications peuvent être mises à jour de manière indépendante de l'application de base et ça permet de pouvoir soutenir la plupart des versions de DHIS2 pour que les utilisateurs puissent changer et avoir différentes versions de DHIS2 en même temps selon les fonctionnalités qui les plaît pour les mettre à jour comme on leur semble. Donc, c'est une chose sur laquelle nous travaillons dans l'équipe de base pour pouvoir intégrer cela dans les applications qui se trouvent sur notre plateforme, que ce soit aussi en matière de migration de plateforme, que ce soit aussi la qualité des partages en matière de ces différentes applications et être capable, bien sûr, de pouvoir publier ces applications avec nos prochains et s'assurer que cela est faisable avec DHIS2. Et parlant de tout ça, il y a aussi des améliorations en matière de l'application de base de DHIS2 pour pouvoir prendre en compte les mises à jour des différentes applications et changer les versions selon l'utilisateur qui est en présence.
Donc, nous voulons essayer de combiner les applications pour pouvoir s'assurer que toutes les applications ont le même niveau de fonctionnalité en matière de pratique. Voici un peu une diapo sur laquelle je ne vais pas trop m'apesantir. Ça parle des différentes fonctionnalités sur lesquelles on travaille sur quelques applications qui permettent une certaine extensibilité de DHIS2. Une, par exemple, c'est le fait de se focaliser sur le développement des fonctionnalités des plateformes d'abord. Et nous avons orienté notre développement sur ce qu'on est en train de faire pour DHIS2, l'application de base elle-même, avant de pouvoir voir ce qu'on peut faire pour bâtir cela et l'étendre, pardon, à plusieurs autres applications plus tard, pour que ces applications-là puissent utiliser les extensions qui ont été développées non seulement par nous, mais aussi par les autres développeurs dans le monde. L'autre point, c'est l'interopérabilité des webhooks, qui a à voir avec les étapes des programmes en matière de notification d'enrôlement et aussi le fait d'arriver jusqu'à une approche un peu plus globale des webhooks qui permettent à DHIS2 de pouvoir intégrer des systèmes extérieurs quand il y a un événement qui se produit. Donc, ces systèmes permettent de réagir, de faire des changements dans DHIS2 pour pouvoir répondre de manière efficace aux nouveaux événements, au lieu d'attendre toujours la mise à jour des DHIS2 pour pouvoir trouver une solution au problème qui a surgi. Une autre fonctionnalité que Scott a mentionnée dans la session analytique, quand il parlait des tableaux de bord en ligne et hors connexion, c'est cette fonctionnalité dont il est question, le fait de pouvoir utiliser le tableau de bord, entrer les données et faire la capture, même si on est hors connexion. Donc, ça permet de pouvoir améliorer l'entrée des données et puis l'application de capture. Et de capture, pardon. Et il y a beaucoup plus d'améliorations qui sont prises en charge, même en étant hors connexion. Donc, la plupart des connexions sont installables. Et ça permet de pouvoir mieux gérer les événements et répondre de manière positive à toutes les situations et ça facilite le flux de travail. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui sont intégrées dans notre plateforme d'application et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la page d'entrée des identifiants. Et Lars en a parlé aussi. Donc, nous essayons de pouvoir mieux gérer la durée des sessions et des événements dans l'application. Afin de tout ceci, c'est pour permettre la préservation du back-end et continuer de travailler de manière efficace au lieu d'avoir besoin d'attendre qu'une session puisse s'écouler en plein travail. Donc, il y a aussi l'amélioration des caches, qui permet beaucoup plus de réactivité parce qu'il y a des données qui ne sont pas disponibles hors connexion et donc il faudrait se connecter avant de pouvoir avoir accès à cela et transférer cela à des différentes personnes. Nous avons essayé d'améliorer aussi notre interface utilisateur, les composantes de l'interface utilisateur et le présentateur a parlé des unités organisationnelles aussi, qui a été améliorée et on a essayé de standardiser tout cela dans l'équipe de base pour que ce soit accessible. Nous avons travaillé beaucoup. Et nous essayons de trouver des réponses appropriées. Donc, pour terminer, il y a l'amélioration de l'internationalisation en matière de performance
ce qui est de la traduction et la personnalisation de nos traductions, que ce soit la langue d'installation des packages, mais aussi des pages qui sont présentes. Donc, il y a beaucoup de travail en matière de traduction qui sont personnalisées pour que tout un chacun puisse mieux utiliser l'application. Donc, Scott l'a mentionné plus tôt. Si vous voulez, on se retrouve dans la communauté de pratique pour pouvoir comprendre les flux en matière de traduction dans DHIS. Dernière diapo sur l'aspect technique, c'est le test end-to-end qui permet de tester l'application pour savoir si cela est performant et éviter les régressions et voir comment est-ce qu'on peut facilement trouver les problèmes, repérer facilement les problèmes et les résoudre. Ce sont la plupart du temps des tests assez automatiques, que ce soit pour l'API, mais aussi pour les différents serveurs. Ça nous permet de pouvoir tester une application sur un serveur DHCS2 ou sans pouvoir comment est-ce que cette application réagit. Nous continuons de déterminer, de travailler sur des extensions et tout en enregistrant le trafic du réseau à travers des séries de tests, que ce soit en ligne ou hors connexion, pour que cela soit fait de manière assez régulière pour s'assurer que ces tests soient menés en tout temps pour s'assurer de la qualité du produit. Aussi, il y a les multiples tests des versions de DHCS2 pour s'assurer que c'est bien testé avant d'être mis à la disposition des différents utilisateurs dans le monde. Le dernier point ici, sur lequel on est en train de vous introduire, dans le moyen terme, très rapidement, c'est le test. En utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter les différents changements et même les changements assez minimes pour voir comment est-ce que les utilisateurs se sentent avec ces applications pour pouvoir éviter les différents bugs qui peuvent subvenir. Il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le test de l'API, de la performance, entre autres. Mais il faudra encore plus de temps pour pouvoir élaborer là-dessus. Donc, je crois que c'est bon pour moi en matière de la plateforme technique. Merci beaucoup, c'est Rebecca. Je suis content de pouvoir partager mon écran. J'espère que vous arrivez à voir. Merci, je m'appelle Rebecca Potter, je suis dans l'équipe d'implémentation et je vais vous montrer la plupart des produits d'implémentation. Je vais juste résumer ce dont il est question pour ces produits d'implémentation jusqu'ici. Nous avons essayé de voir plusieurs lignes de priorisation, que ce soit en matière de ressources que d'amélioration de nos plateformes pour mieux répondre aux exigences de notre communauté. Nous avons aussi toujours essayé de mettre sur pied les préférences des SNIS pour mettre tout cela en pratique et améliorer nos logiciels. Il y a beaucoup de documents qui sont aussi disponibles pour pouvoir intégrer les SMIS. Le point prochain, c'est aussi l'amélioration de la qualité des métadonnées. Nous travaillons sur les différents outils pour pouvoir améliorer les métadonnées qui sont disponibles dans le monde tout entier en faisant référence à nos différentes conventions et comment la manière dont nous essayons de partager les données pour y avoir accès.
pour y avoir accès, pour que la communauté puisse les avoir. Donc, il y a eu une intégration continue pour une livraison rapide sur le terrain. Donc, ça, il y a les ingénieurs qui appliquent beaucoup de principes à DHS2 et cela nous aide beaucoup pour pouvoir avoir les paquets de métadonnées avec toutes les métadonnées dans tous les pays, pardon, pour pouvoir avoir cela dans toutes les langues pour que tout le monde puisse l'utiliser. Le dernier point, nous étions en train d'apprendre aussi de toutes les implémentations sur le terrain et nous partageons avec nos équipes, j'arrive au Ouganda ou même les équipes des ministères de santé. Donc, nous travaillons avec ces derniers pour pouvoir apprendre, tirer des leçons de ce qui se passe sur le terrain et améliorer tout le package que nous offrons. Notre défi, c'est de savoir comment est-ce que nous faisons cela pour nous améliorer. Il y a un cycle de développement que je vous présente bientôt. Nous voyons quand même que tout ceci est dans le produit d'implémentation. Que ce soit avec nos partenaires de l'OMS, CDC et les ministères de la Santé et tout, on essaie quand même de tout faire que les produits puissent répondre aux exigences, aux normes mondiales. Donc, nous allons pas nous focaliser sur cette partie de la question, mais allons aussi sur la riposte de la COVID-19 qui avait pour objectif de pouvoir aider tout un chacun aussi à pouvoir tester les différentes pratiques dont on a parlé par le passé. Nous avons travaillé sur les cycles de mise à disposition de nos différentes versions où nous avons essayé de suivre les logiciels pour s'assurer que DHS2, les nouvelles versions de DHS2 soient disponibles selon les dates que vous voyez à l'écran où nous avons de nouveaux packages qui seront disponibles en novembre, entre autres. Donc, on est en train de de rapprocher les fonctionnalités tout près du package et aussi des produits d'implémentation. À part cela, nous avons des ressources qui ont aussi des améliorations en matière de design et sans que cela n'ait un impact très significatif sur les exigences des contacts. Cette année, nous sommes un peu en retard sur notre cycle de mise à disposition des versions, mais je pense quand même que la plupart d'entre vous êtes au courant de toutes ces zones du registre de vaccination, que ce soit en matière de COVID ou que l'utilisation des différents tableaux de bord qui sont disponibles sur le lien en bas. Entre aujourd'hui et quelques jours dans la semaine prochaine, nous allons tout mettre à votre disposition sur la page ici en bas. Donc, vous pouvez suivre ce lien pour voir ce dont il est question. Mais vous pouvez aussi aller sur la communauté de pratique pour voir toutes les informations concernant la mise à disposition de ces derniers. Donc, vous aurez les notifications concernant la mise à jour de notre lexique même en français et plusieurs autres informations sur les packages de prévention et de riposte de la COVID-19 et aussi le registre de vaccination des enfants, que ce soit en matière de VIH, que de tuberculose et de paludisme, pour pouvoir analyser les données et faire des programmes de tracker pour le tuberculose et faire la surveillance du tracker. Et le dernier point, c'est un nouveau tableau de bord de données de qualité pour le paludisme. Afin d'intégrer tout cela et les harmoniser, l'année dernière, nous avons vu nos équipes faire beaucoup d'efforts pour pouvoir être en conformité avec les exigences dans tous les pays. Nous savons que les efforts pour pouvoir riposter face à la COVID-19 doit être sur le long terme. Donc, ce tableau nous permet quand même de voir ce qu'il en est de la surveillance et de l'immunisation. Nous sommes basés sur les systèmes déjà en place en matière de vaccination et aussi en matière de surveillance. Nous savons que plusieurs utilisent des systèmes d'information pour la réponse de la COVID-19 et
C'est de cette manière que nous avons aussi mis sur pied nos packages pour pouvoir développer notre programme. La qualité des données et l'utilisation des données est une priorité pour DHS2 et Twohist en général, que nos partenaires, autant que les utilisateurs, parce que nous avons tout fait dans les fonctionnalités pour pouvoir rendre disponibles les informations dans nos tableaux de bord. Nous avons beaucoup travaillé avec le package de paludisme, et c'est déjà opérationnel, mais nous travaillons aussi pour différentes autres maladies travers le monde, comme la tuberculose et même la pandémie à COVID-19. Maintenant, pour ce qui est des logistiques, avec notre LMIS, nos experts et les experts de l'OMS travaillent main dans la main pour pouvoir s'assurer que les utilisateurs finaux puissent utiliser cela sur le terrain et transformer ces données logistiques dans DHIS2, dans le tableau de bord DHIS2 à travers le gestionnaire de programme. Donc, on utilise cela pour pouvoir rassembler les données et harmoniser les données, de même que les analyses. Donc, il y a un cadre de données et d'analyse de données qui a été mis sur pied pour les systèmes LMIS. Certains de nos packages disponibles dans moyen terme, il y a la surveillance des mortalités rapides avec l'OMS, mais aussi l'intégration qui est disponible. Maintenant, en matière de vaccination, pardonnez-moi, il y a les campagnes de sensibilisation de masse pour faire le suivi et aussi faire la triangulation des tableaux de bord, de même que la surveillance des maladies. Et nous avons aussi des objectifs en matière de tableau de bord d'urgence de leadership qui sera bientôt mis sur pied. Maintenant, il y a aussi les maladies non transmissibles sur lesquelles nous mettons aussi beaucoup d'action maintenant en ce qui concerne la réhabilitation et aussi les registres des maladies non transmissibles, mais aussi pour la tuberculose, le paludisme et le domaine de nutrition sur lequel nous nous basons. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons essayé de prioriser ce dont il est question pour nos différentes communautés et nous avons apporté notre soutien, comme par exemple en matière d'harmonisation des données, des métadonnées et mettre sur pied les différents principes pour pouvoir gérer nos implémentations et mettre sur pied aussi des guides d'implémentation pour aider nos différents utilisateurs pour que ces derniers puissent faire un bon suivi. Nous faisons un bon progrès en matière d'intégration continue et comme je l'avais dit, nous avons besoin de beaucoup de traductions pour que cela soit approprié, pour que toutes les communautés puissent y avoir accès dans d'autres langues. Et le dernier point, nous sommes en train de trouver comment mettre un accent sur la décentralisation. Donc, nous avons une approche qui permet de rendre accessibles les informations à tout un chacun, que ce soit dans le domaine de l'entomologie que d'autres domaines. Et ces packages sont mis sur pied pour que nous soyons capables de porter notre soutien à tous les pays. Mais il y a beaucoup de résumés dont on a parlé dans cette conférence. En ce qui concerne plusieurs de nos partenaires qui utilisent cette approche. Donc, nous avons essayé de répondre aux exigences des communautés pour pouvoir faire des améliorations. Donc, je n'ai pas de promesses à faire encore, mais ce qui est sûr, j'aimerais vous faire comprendre qu'on vous écoute et nous faisons tout pour pouvoir prendre vos avis en considération avant de faire des améliorations. Donc, avec cela, donc, nous nous retrouvons sur la communauté de pratique. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Merci à tout un chacun. Nous sommes tous contents de voir ce qui va venir plus tard. On voit beaucoup de questions qui viennent sur la plateforme de la communauté de pratique et aussi même dans le chat.
Donc, nous allons maintenant arrêter cette session et aller à la session suivante qui est la compétition des applications. Donc, nous vous remercions tous d'être restés avec nous. À très bientôt. S'il vous plaît, ne partez pas, ne partez pas. Cette session suit directement, quasiment avec tout le monde ici présent pour qu'on parle de la compétition des applications. Donc, je crois que les nouveaux participants sont déjà là.